Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Civ 6. Alors, toujours avec l'Empire Pontifical, dans le dernier épisode, on avait fondé notre quatrième ville, ici, hein, bon, qui a toujours rien sorti, mais bon, son bâtisseur ne devrait pas tarder à sortir et on devrait pouvoir réussir à enchaîner quelques petits trucs. Il faut qu'on se sorte un autre colon, puisqu'on va faire une ville ici, dans ce coin-là. Hein. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose, même si on est limite niveau loyauté, mais je pense qu'on peut faire une ville ici, hein, sans problème. Et on avait ce petit passage là, qu'il fallait qu'on bloque. Ceci dit, là, il y a un problème de loyauté, donc ça va pas être évident. Et puis bon, petite exploration au nord. Les Chinois, j'avais pas vu, mais ils ont fondé une autre ville ici. Donc niveau loyauté, ça va pas être évident à aller choper Longxi. Les Chinois sont en guerre contre Kandi. Candy qui me rapportait en fait en bonus, donc vous recevez une relique chaque fois que vous découvrez une nouvelle merveille naturelle. Alors comme je suis pas en phase d'exploration, c'est pas forcément une grosse perte si jamais elle tombe. Bon, c'est toujours chiant, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La Venta c'est un peu plus embêtant puisque j'ai accès, il faut pas que j'oublie d'ailleurs, aux têtes colossales. Et puis du coup on avait fini l'épisode après avoir agrandi notre territoire hein, tranquillement par la construction du temple de Mahabodhi et qui nous a donné deux apôtres. On avait fait un missionnaire aussi d'ailleurs qui va aller prêcher la bonne parole sur Bénévent et qui va revenir par là. Et alors qu'est-ce qu'ils ont comme eh ben ils ont puissance religieuse plus 20 en combat Théo. Donc ça je prends. Ils sont où? Le deuxième il est où? Le deuxième il a quoi? Puissance religieuse plus 20, je prends aussi, ça me fait deux apôtres guerriers du coup qui vont défendre mon territoire. Surtout que là je viens de repérer un missionnaire catholique qu'il va falloir aller bloquer Fissa. Alors on reprend notre tour. Ici j'avais fait un petit bâtisseur. Le but était de défricher ici. Toi, unité pseudo-rapide, mais qui met autant de temps que s'il était à pied. Là on a des barbares au nord. Il y a un camp ici, il faut aller le péter. Et on va voir justement qu'est-ce qu'on a. Pour savoir si on refait une ville ici ou pas, parce que là-haut, voilà, là il n'y a pas de problème de loyauté apparemment, donc on pourrait refaire une ville ici. Ceci dit, on a 600 pièces d'or à 40 plus 40 par tour, donc dans deux tours, je vais pouvoir acheter un colon. Et comme on avait pris la promotion du gouverneur, où ça fait pas baisser la population, on va pas se priver en fait, on va refaire un colon. Donc après, il faut vraiment que j'arrive à déterminer est-ce que mon colon je l'envoie ici ou est-ce que je l'envoie là. Je me demande si je l'envoie là, il y a pas moyen de faire baisser la perte de loyauté ici pour refaire une ville. On verra, on va découvrir ça. Pour le coup, ici sur Rome, il y a les pyramides hein, qui me font de l'œil. Donc il faudrait aussi refaire un bâtisseur parce que Rome ne croit pas tant que ça. Hein, elle est qu'à plus 19 alors que les autres sont quand même à plus 21 pour Castel. À plus 18 pour Ferrari, tiens, bon. Mais en fait, Rome, on va lui faire l'aqueduc, parce que je vais me faire avoir, hein, j'avais défriché ici, je vais faire une ferme, mais on va faire l'aqueduc ici. Comme ça me fera l'Eureka pour l'aqueduc. Et puis, bah, la case, elle sera verrouillée pour Rome. En plus, c'est 4 tours, donc c'est rien du tout. Alors que toi, pour le coup, comme tu vas défricher une case, tu vas me faire. Alors là, c'est pareil, il y a pas mal de choses. Donc soit je fais le diocèse, ça me fera le troisième diocèse. Je pourrais faire les pyramides, mais ça ferait pas joli ici. Non, 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 non. 7 sur 10, l'aqueduc, j'en ai pas encore besoin. Sinon, il y a le moulin à eau hein, pour booster un peu tout ça, et le marché pour booster le point de marchand illustre. Donc je pense qu'on va se faire le marché. On va booster le marché sur ce tour-là. Et puis c'est tout sur ce tour-là en fait. Hein. Ouais, je suis en train de réfléchir. Au niveau diplomatie, on est tout bon. Au niveau personnage illustre, donc là il faut vraiment qu'on joue avec la foi en fait. Parce qu'on avait vu qu'on était quand même short. 37 tours. Ah ouais. Ah ouais, point de savant, en fait, je suis pas tant bien placé que ça au niveau des points de savant, parce qu'on avait refusé l'autre.
qu'on l'avait à quelques tours, mais là en fait l'Égypte il est un tour derrière moi, donc s'il se prend un boost, il prend, alors que lui déclenche les technologies aléatoires, Moyen-Âge Renaissance, et les unités terrestres blessées récupèrent 5. Ouais, à la limite, pas grave. On pourrait peut-être l'acheter avec de la foi. À voir. Celui-ci est intéressant. Oh, celui-ci, il faut que je le surveille. Ouais, celui-ci, il faut que je le surveille. Et celui-ci aussi. Donc, bon, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour acheter avec de la foi, mais je pense qu'il faut aussi qu'on achète un apôtre pour prêcher une croyance, parce que comme les deux que j'ai eu en bonus avec le temple, ils ont le combat théologique plus 20, ils me servent à rien pour pour la croyance, donc du coup. Ouais, je fais ça. Je réfléchissais parce que je me dis, il faut que je commerce avec les Chinois. Parce que regarde, là, le petit bonhomme vert, il a disparu. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Alors, l'apôtre, apôtre, apôtre. Ah, il n'a pas bougé, remarque lui. Mais il y en a un deuxième qui arrive. Il y en a un deuxième qui arrive ici. Donc, il faut que j'envoie mes deux apôtres. Toi, tu vas aller. Pourquoi d'ailleurs il y a une pression religieuse sur le catholicisme? Ah oui, parce que toi, tu as été converti. Donc c'est pas grave. Je convertis Bénévent. Ici, ben, j'ai pas trop le choix. Hein. Faut que je laisse sur Rome. Parce que là, sans la route commerciale. Ah, Rome est à plus 20, remarque. Je vais le laisser sur Rome. Un plus 4, j'ai un plus 1. Si je vais à Ferrari, je vais laisser sur Rome. Parce que Rome, faut que ça arrive à 10. Ça devrait déjà être à 10, même Rome. Donc elle est en retard, quoi. Hein, elle est en retard, cette ville. Alors, toi, tu vas te soigner un peu. Alors que là, on a une inondation, là, sur cette ville-là. Et c'est tout. Je vais surveiller ces deux missionnaires, là. Ah, ils sont barrés en fait, donc pas trop de soucis. Alors on a droit divin, puisque droit divin c'était quoi déjà l'inspiration, droit divin. J'ai un trou. Droit divin c'est où? C'est là. Ah oui, c'est construisez deux temples et on a fait notre deuxième temple. Ok, on est bon. Du coup, alors toi je vais t'emmener. Comme ça, en fait, en défense, parce qu'apparemment ça vient de là-bas. Tu vas t'occuper de l'irrigation. Et toi, du coup, je vais essayer de reconvertir ces deux villes-là. Je vais pas aller ici tout de suite. Hein. Je vais plutôt essayer de convertir là-bas. Je pense qu'il y a moyen. On a un petit village tribal. On va essayer de voir. Hein. Ça peut nous donner toujours un petit bonus. Et niveau science, donc niveau science, on est en retard. Hein. Pas beaucoup. Ah, quoi que non, on est revenu ex aequo avec les autres. Tiens, on est sur la même case grâce à l'apprentissage. Du coup, on va aller chercher le travail du fer, juste histoire de dire il est débloqué. Et je pense qu'après, il faudra débloquer cela, cela, cela. Beaucoup de choses à débloquer. En fait, de toute façon, dans le jeu, c'est toujours comme ça. Et là, du coup, comme on a nos sept citoyens, enfin, moi d'ailleurs, qu'on a nos sept citoyens, justement, pour la science, on va faire notre petit campus qu'on avait prévu ici. Le campus qui est en plus 4 parce qu'il est entouré de montagnes, et en plus, une fois construit, va donner un bonus de plus 1 en loyauté sur la place de la gouvernance. Donc peut-être qu'on va réussir à choper quelque chose là-dedans, là, sur Longue Xi. Ça serait intéressant. Et on a 698, donc je peux acheter un colon. Et comme j'ai mon gouverneur, je ne perds pas de citoyens. Donc ça, c'est top. Alors, du coup, la question, c'était, est-ce que je fais la ville là ou est-ce que je monte au nord? Et le problème, c'est ça. C'est que je n'ai pas encore exploré au nord, donc je ne sais pas où je l'envoie. Alors, toi, je vais te mettre avec le guerrier. Ah bah tiens, lui il est monté. Parfait. Alors, du coup, c'est pareil. Est-ce que je fais un campement? Est-ce que...
Eh ouais, je sais pas quoi en faire en fait de lui finalement. Là, c'est quoi? C'est de l'encens et du coton. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà m'occuper de faire l'encens et le coton. Le village tribal, il me donne un bâtisseur, ça va me servir. Il n'y a pas de souci, hein, même si là, c'était pas forcément utile. Il est où d'ailleurs? Il est là. Il fait ça. Donc toi, du coup, bah, tu vas remonter finalement. Bah, tu vas déjà aller sur la capitale. En construction, alors Bénévent, voilà, justement, Bénévent, qu'est-ce que je te fais faire? Parce que j'ai pas assez de sous pour acheter la case. Donc l'histoire du campement, déjà, c'est réglé. Je suis à 4 sur 5 en habitation. Donc l'aqueduc, c'est 30 tours. Donc on va aller chercher le grenier pour l'instant. Quoique. Non, grenier. Grenier, habitation plus 2. Alors qu'on a que Cléopâtre qui a déclaré la guerre à Moctezuma. Moctezuma, je crois qu'il est en guerre avec Pierre. Hein, il n'a pas eu. Alors qu'ici, on a fini. Ah non, ouais, mais celui-là, il m'intéresse pas. L'art de la guerre. J'ai rien pour le poser, en fait. Ah zut. Par contre, le prochain, il est loin, quoi. Ceci dit, voilà, je vais le garder en puissance de combat plus 5. Donc, je vais le prendre. Et comme ça, lui, je vais le mettre avec ce guerrier-là. Et tu auras le petit bonus en fait du général illustre, quoi. Alors, faut que j'aille voir là où ce qui se passe. Voilà, pour l'instant, c'est du désert. On va chercher cette case-là. Toi, alors je sais pas où il est parti. Ah, il est peut-être parti là parce que. Bah non, 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 je dis une bêtise parce que là c'était une ville catholique. Alors, je vais utiliser l'apôtre pour explorer. Si vous avez vu l'épisode précédent, c'est ce qu'on avait fait aussi. Ah, ils arrivent par en bas maintenant. Les petits galopins. Toi, il te reste du coup une construction possible. Donc avec la construction possible, je vais te mettre là-bas. Derrière toi, c'est vrai que je sais toujours pas. Je vais te mettre là pour l'instant. Tu vas faire le tour de la montagne. Et alors Rome, qui a fini son aqueduc, il va faire sa zone industrielle. Et Ferrari, qui a fini son marché. Eh ben, il va commencer le diocèse. Hein, tac, tac, tac. Pour l'instant, on a 8 sur 10. Il a le temps d'aller faire son diocèse, en tout cas de le construire. On verra après ce qu'on fait. Toi, tu vas rester en faction ici. Toi, tu te mêles avec le guerrier. Alors qu'on a une inondation ici. Alors, est-ce que je peux aller sur le terrain? Pour l'instant, ceci dit, hein, les conversions sont en ma faveur, hein, au nord. Hein. Donc, je ne vais pas aller trop loin avec l'apôtre. Parce que. Voilà. Ah, je suis sûr qu'il y a un spot de ville ici intéressant à faire. Et du coup, je me demande si ça vaut pas le coup d'emmener mon colon là-haut, quoi. Parce que bon, là, il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a ce qu'il faut pour de la croissance, tout ça. Alors que là-haut, je peux peut-être en faire une ville côtière, donc avoir accès à la mer. Il n'y a pas forcément de ressources à part du fer là peut-être que je pourrais choper. Je pense que je vais l'emmener là-haut. On refera un colon plus tard pour Ah tiens, je peux faire un oui, ingénierie militaire pour découvrir le salpêtre. Ouais, on refera un colon plus tard s'il y a besoin.
Allez, en tout cas, on est pas mal. Donc là, mon missionnaire est arrivé ici. Il convertit. C'est parfait. On va essayer. J'espère que Xion, mais c'est une grosse ville, hein, donc ça va être tendu quand même à avoir. Mais bon, on va lui balancer en tout cas une charge. Hein, on verra bien. Toi, je vais te reculer juste d'une case d'ailleurs. Mettre là. Voilà, et toi j'ai dit de toute façon je vais pas trop t'avancer, hein, tant pis, tu vas revenir par ici. Donc tu vas revenir là. Ah, il est là. Il est là, on va essayer de se le faire. Notre missionnaire, voilà. Oh bah, il nous a fait un S là. Donc toi, ouais, effectivement, tu vas monter. Je vais faire la ville au nord. Alors, et toi, il te reste une construction. Je pense qu'on va défricher cette case-là. Ok, donc là, il n'y a rien. Là, c'est un peu de la toundra. Et il faut que je débloque. Donc là, de toute façon, donc les deux campus. J'ai un campus là qui est en cours, en fait. Oui, là dans 5 tours, donc j'aurai une inspiration pour les deux campus. Donc on va finir stratégie défensive. Le campement, du coup, je l'aurai pas, donc on ira le chercher après. Et on aura l'inspiration avec le deuxième campus. Parce que c'est vrai que j'ai qu'un campus, hein, mine de rien. D'ailleurs, est-ce que ça vaudra pas le coup de faire d'abord le campus ici et le diocèse on fera après. Combien elle coûte la case? 90. Ça pourrait peut-être valoir le coup, ça. On va faire ça au tour d'après. On va voir comment ça se passe, mais je pense que oui. Tu veux du fer? Bah écoute, ouais. Ouais, vas-y, prends. Faut que je pense à upgrader mes troupes aussi. Mes petits guerriers, là. Hein. Alors, il est barré où? Il est là-bas. Attends, je vais essayer de choper tout de suite lui. Je vais essayer de l'encercler. Ah, je peux même l'attaquer là pour le coup. Et il est quasiment mort. Tout cas, ça l'affaiblit hein, s'il est mort. Et là, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Mais je lui balance une charge au pire. Hein, sur un pierre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les pyramides. Bon, bah, les pyramides qui me faisaient de l'œil, c'est réglé. Donc là, du coup, à la limite, ouais. Je pense qu'on va plutôt défricher cette case-là. Comme ça, on va faire un campus sur Bénévent. Ah, du coup, toi, ça veut dire que je te fais passer par là, en fait. Pas encore la vue sur. Ah, zut, y a rien. Sur le nord, là, pour voir vraiment où est-ce que je pourrais placer ma ville. Hein. Donc, à la limite, c'est pas trop embêtant, finalement. Que je réfléchisse, du coup j'avais une case à acheter. Ah oui, c'était cette case là, bah, je l'achèterai au prochain tour. Et toi, pourquoi t'es là toi? Oh pardon. Pourquoi t'es là? Pourquoi tu t'es emmené là? Je t'avais dit d'aller là. C'est bizarre. Bon, pas grave. Alors là, il est derrière la rivière. C'est dommage parce que je ne vais pas pouvoir l'attaquer en fait. Ouais. C'est dommage. Alors là, je suis embêté parce qu'effectivement, je vais pas pouvoir. Ah, puis je vais même le perdre mon archer là pour le coup. Ah là là! Ah zut! Ah ouais, parce que je peux pas reculer en fait. Si je recule, il avance, il a le champ de vision. Ah non! Cavalerie. Cavalerie, au moins qu'elle protégeait mon colon, quoi. On va essayer, mais au moins pour découvrir ce qu'il y a là. Donc là, j'achète cette case-là. Comme on a dit. On défriche ici, ça termine le truc. Et on va lancer la construction d'un campus qui va être assez long pour le coup. 45 tours. Ouais, c'est un peu beaucoup, 45 tours.
Et Ferrare qui a fini du coup le diocèse. Alors on est toujours à 8 sur 10. Tu vas me refaire un deuxième. Ben non, parce que t'as pas encore assez. Dans 2 tours, je pourrais faire un cavalier. Et là aussi, je pourrais faire un petit campement finalement. Un genre, je le mets là ou je le mets là. Bien, un petit campement là. De toute façon, je peux pas faire le campement, c'est il me faut 10 citoyens. Donc, on va aller chercher. J'ai pas de merveille à faire. Non, j'ai un négociant. On va aller faire le négociant. J'avais pas vu ça, que je pouvais faire une route commerciale supplémentaire. Une inondation ici sur Varsovie, on s'en fout, c'est pas chez nous. Et Buenos Aires, on n'est plus suzerain. Alors, qui est passé devant nous sur suzerain? Moctezuma. Alors, il m'en reste un. On va le mettre. Voilà, je redeviens. Je pense pas qu'après je puisse garder le côté suzerain sur chaque cité-état hein, à ce rythme-là. Et là, on a des missionnaires qui arrivent par ici, là. Hop, 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 hop. Ouais, je savais, mon archer, je savais qu'il sautait. Hein. C'était sûr. Alors ici, on va changer de doctrine. Du coup, on va se remettre sur le savant parce que savant je suis pas forcément ah, je peux le tuer. Il n'y a pas eu plus moins. Ah, ça marche que pour les apôtres en flûte. Donc toi du coup tu vas retourner de l'autre côté et toi il va falloir que tu protèges le colon. En barbare ici. Alors du coup, on a fini celui-là. Alors le campement, voilà, je vais le prendre, je vais aller le chercher, ça me fera un émissaire, hein, puisque j'ai pas. Et ça, on devrait l'avoir dans pas longtemps. L'inspiration sur le deuxième campus. Ouais, dans 2 tours on l'a, donc on est bon. Alors Rome, lui par contre, a fini sa zone industrielle. Il faudrait que tu refasses Fissa. Un autre. Ah bah tiens, j'ai ça là, je peux le virer celui-là parce que je l'ai fait la mine, hein. Ça c'est bon. Voilà, faut vraiment que si je réfléchisse, c'est par rapport à la place de théâtre. C'est-à-dire, parce que ceci dit, ici j'en ai encore un à faire là. Nanana, nanana. Ouais. Alors, on va se refaire peut-être un archer. Ou on va chercher l'atelier. Où on va chercher un autre quartier. Place de théâtre peut être pas mal. On n'est pas en retard hein, niveau culture. Ouais, niveau culture, on n'est pas en retard. Je vais faire un archer, hein, parce que j'en ai perdu un, donc on va le reconstruire direct. Qui va retourner d'ailleurs là-haut en défense. C'est dommage parce qu'il a perdu un peu toute son expérience. Et ici, on va aller chercher un autre gouverneur parce que là, je regarde niveau promotion, c'est pas forcément utile tout de suite d'avoir cela. Donc, on va chercher un autre gouverneur. Alors, 2 options. Soit on va chercher lui pour booster la science, parce que lui, c'est science et culture. Hein. Soit on va chercher elle pour avoir en fait. Ça, la loyauté. On a loyauté et les espions. Du coup, si je pense plutôt qu'on va mettre celui de la science. Hein. Science, culture, et du coup, toi, il faudra que tu fasses la place du théâtre. Il faudra que tu la fasses là, finalement. Et que limite, Rome, il fasse place de théâtre ici. 2 places de théâtre côte à côte. Pourquoi
pourquoi, pourquoi. Moi, j'étais là, en fait. Donc, du coup, oui, on va prendre toi. Et toi, je vais te mettre sur Castle Gandalfo. Pour l'instant, parce que c'est voilà, c'est la ville la meilleure, je pense, niveau science. Hein. On est à 4-4. Et là, on est... Ah non, on est à 14-3 ici, dis donc. Mais non, Gandalfo, faut que t'ailles là-bas, toi. Hop, 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 non, c'est pas là. C'est pas là, c'est là. Réassigné sur Ferrari. Bah ben oui, carrément. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe à ça. Ben, pourquoi la 14? Ah oui, parce qu'il y a la bibliothèque, alors que là, c'est pas encore construit, c'est couillon. On fera le point après la construction du campus. Alors, les missionnaires ennemis, ils sont là. Hein. Faire passer par eux. Ouais, pourquoi tu m'as dit que tu pouvais et puis tu vas pas? C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Toi, tu avances là-bas. Alors, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un trirème. Ah, même pas, une galéasse ennemie. Donc si j'y vais, je suis à la moitié de la vie sur mon char lourd. Ah voilà, ouais, j'en ai encore un ici. Donc il meurt tout de suite en fait. Là, j'ai pas besoin. Je suis suzerain chez tout le monde. Donc on est bon. Et on a fini histoire écrite avec nos deux campus et formation militaire. Perfect. Ici c'est quoi? Ouais, on a la grande bibliothèque. Faudrait que j'essaie de la choper, la grande bibliothèque. Toi tu passes là, toi tu vas là-bas. Toi du coup je vais te laisser ici. Je sais même pas quoi en faire de mon bâtisseur. Remarque, si je vais l'emmener là-haut. Je vais l'emmener là-haut. L'archer pareil, il va aller en haut. À toi, forcément, faut que tu te casses. Ah, ceci dit, j'aurais fait le tour comme ça. Je vais faire les frontières polonaises en fait, et on sera bon. Donc là, toujours pareil, mon émissaire, je le mets de côté. Histoire écrite, donc là, j'ai les trois d'un coup, bling bling. Donc ça, c'est parfait. On va pouvoir aller chercher. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc celui-là, j'aurai pas d'inspiration, c'est sûr. Ah, l'histoire des six fermes, c'est vrai. On va déjà l'avancer. Au niveau des fermes, je sais même, je néglige toujours les fermes. Ça, c'est vraiment. Je dois en avoir quoi? Deux? Et une ici. Ah, j'en ai qu'une, quoi. Ah ouais, j'ai qu'une seule ferme. Ah oui, carrément. Bon, c'est pas grave. du coup, toi, t'as fini ça. Donc je sais toujours pas si je fais une place de théâtre. À quel endroit je la fais? Au niveau des merveilles. Y a rien qui m'intéresse. Donc en fait, on va aller chercher l'atelier. Et Castel Gandalfo qui a fini son campus. Je vais pas lui faire la bibliothèque tout de suite. Il peut rien construire d'autre. Grande bibliothèque. À quoi que, attends, parce que la grande bibliothèque, 21 tours. Ah, il faut la bibliothèque pour la grande bibliothèque. Donc, on va aller chercher la bibliothèque pour pouvoir essayer de caser la grande bibliothèque ici. Et gouverneur, alors lui, il va nous faire science plus 1 par tour pour chaque ville habitant. Nanana, nanana. Et là, on devrait sûrement repasser devant sur la science. Et là, on est pas mal. Alors là, on arrive à peu près à une demi-heure, donc on va se refaire un ou deux petits tours. Alors que toi, tu veux commercer. Et on change d'air et on découvre d'ailleurs
l'ingénierie militaire. Et j'ai pas de salpêtre dans mes frontières. Bon, toi, je vais te mettre là. On va continuer de bouger nos troupes hein, pour l'instant. Là, ce qui serait bien, ça serait de se faire une route commerciale étrangère. Alors déjà, est-ce que j'ai une nouvelle quête? Non. Étrier, artiste illustre, marchand illustre, écrivain illustre. Bon, j'ai que des trucs illustres, à part l'étrier. Donc Ferrare, on va le balancer du coup sur Rome. Et on en fera une route commerciale étrangère. Toi, tu vas aller là-bas. Finalement, ils sont. Ouais, je pense qu'ils sont. Ah ben non, j'ai déjà sorti. Non, non, ils sont là en fait. Ils sont juste là. Alors, et pour le colon, bah, le problème c'est que je vais pas pouvoir l'avancer, mon petit colon. Oh, il m'a bloqué. Ah, le salopio. Allez, faut que je redescende, faut que je retraverse là comme ça. Salpêtre, du coup, est-ce que j'en ai à proximité de mes frontières? Là, j'en ai pas, là, j'en ai pas. Là, j'en ai pas. Là, sur le projet d'une ville, j'ai pas de salpêtre ici. Ah, j'en ai un là. J'en ai un là que je vais pouvoir choper et j'en ai un là, donc ça confirme bien qu'il faut que je fasse une ville ici. Problème, il y a un barbare ici. Ça m'embête. Enfin, on va se débrouiller, mais voilà, ça m'embête. On va aller chercher ça. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser, il faut trois archers. Ça veut dire que toi, il faut que je top grade. Parce que j'ai déjà deux archers en fait. Et Ferrari qui a fini son négociant pour le coup. On va aller se chercher le moulin ou l'hôtel. On va se faire l'hôtel dans un premier temps. Et on se fait donc la nouvelle ère. Donc là on rentre en âge d'or. Donc on peut choisir nanana, un truc. Bah comme d'hab, hein, comme je disais, sur la dernière ère qu'on a fait, on va pas chercher. Les points de foi, parce que je pense qu'on rock suffisamment, hein, on a 1900 points de foi, donc c'est de là. Non, il nous reste juste finalement, est-ce qu'on essaie de booster la culture ou la science? Pense qu'on va aller chercher la science, parce qu'on avait un léger retard sur la science, donc on va reprendre la libre pensée. Comme ça, on est tranquille. Et pour le coup, eh ben en fait, on va se clore l'épisode là, puisqu'on a passé la petite demi-heure. Donc l'objectif du prochain épisode, c'est d'essayer d'aller fonder une ville là, avec le barbare, l'archer barbare. Je pense qu'il va bien nous embêter. Ceci dit, on arrive avec un archer et un cavalier. Donc il y a moyen de s'en sortir. Et puis là, on a des missionnaires ennemis, là, qu'il faut qu'on essaie de poutrer. Là, à voir si je peux faire une merveille. Donc ça fera l'objet du prochain épisode. Donc sur ce, bah merci d'avoir suivi. Les gros bisous, les grosses poignées de main. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, ciao tous, bye.